des petites choses comme ça que j'ai envie de remettre en avant. Par exemple, le lapin. C'est quand même une fierté nationale, ça. Le lapin belge, c'est super bon, c'est goûtu, c'est maigre. Bref, c'est tout ce qu'on aime. Et vous savez quoi? On va faire plein de belles choses avec ceci. Une petite ballotine, jambon d'Ardenne, chou blanc. Bref, simple, efficace et goûtu. Regardez. Bon, pour notre ballotine, il nous faut le dos. Hein, quelque chose de délicat, de tendre, de juteux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lever sur l'os. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rouler avec une feuille de chou blanchi et notre jambon d'Ardenne. Bon alors, maintenant, on va y mettre de l'eau. Alors attention, n'oubliez pas ce que je dis très souvent, de l'eau filtrée. Pourquoi? Comme ça, on garde toutes nos vitamines et bien sûr, la couleur restera bien blanche. Bon alors, je me suis dit qu'ajouter une petite touche régionale, hein, si je peux me permettre, du jambon d'Ardenne, ça allait faire ce petit plus qui fait que le côté fumé, comme ça, dans la petite roulade, va être sympa. Chou, jambon d'Ardenne, c'est une logique. J'avoue, on y va un petit peu fort au début, hein, mais il faut d'abord saisir la viande. Et ensuite, ce qui va se passer, on va faire délicatement. On va mettre une bonne petite noisette de beurre et on va arroser le tout. Bon alors, maintenant, pour notre petite sauce, on va y mettre quelqu'un qui me tient à cœur. Enfin, y mettre quelqu'un, son produit, hein, le bleu d'Acremont. C'est un fromage bleu à base de lait de brebis laitière belge. Et bien, vous savez quoi? L'onctuosité va être au rendez-vous. On met tout ça dans un poêlon, on amène l'ébullition et on mixe.